L'entreprise Crystal Pack imprime et façonne les emballages plastiques à destination du marché de la parfumerie et du multimédia. Cette PME de 11 salariés est quasiment la seule entreprise indépendante sur ce créneau. Depuis 2009, son chiffre d'affaires a augmenté de 20% par an. Ces deux créateurs n'y connaissaient rien en matière de création de société. C'est le soutien de Carrefour Entreprises Sarthe qui leur a permis de monter leur projet. On a démarré effectivement avec un prêt d'honneur de Carrefour Entreprises Sarthe au démarrage de l'entreprise. On a ensuite participé au CAP Création Sarthe qui était en fin de compte un label qui permet de promouvoir un petit peu l'entreprise. Avec plus de 60 000 euros de prêts en poche, les deux associés ont pu développer leur activité. D'une simple dizaine de clients à ses débuts, Crystal Pack a presque quadruplé son portefeuille clientèle. Ça nous a permis d'avancer un petit peu plus vite que prévu sur notre business plan. En fait, il y a des investissements qu'on avait prévu de faire les années suivantes, qu'on a pu faire dans l'immédiat, de façon à développer vraiment des parts de marché sur lesquelles on aurait dû en fait, s'investir, mais dans un plus long terme. Malgré 2 millions de chiffres d'affaires l'an dernier, Crystal Pack continue de bénéficier de l'aide de Carrefour Entreprises Sarthe. L'association qui soutient ses porteurs de projets doit maintenant trouver de nouveaux fonds de roulement pour faire face à l'augmentation de la clientèle de la société fertoise.